Et vous m'avez demandé ce soir de partager avec vous, au propos de l'Afrique, un continent qui nous est à la fois familier, mais finalement d'autant plus étranger qu'il se transforme à une grande allure et que saisir sa transformation est complexe. C'est un continent dans lequel je suis né, j'ai grandi, avec lequel j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle sur 60 années. Et j'ai eu la chance donc d'en avoir une expérience concrète, familiale, humaine, physique, aussi bien qu'intellectuelle, opérationnelle, financière, au cours des années que j'ai passées, notamment avec l'AFD, au ministère de la Coopération, mais aussi depuis 7 ans dans un fonds d'investissement qui appartient à la famille des fonds d'impact, c'est-à-dire que nous ciblons des sujets d'intérêt général à travers des instruments de marché. Et notre méthodologie consiste à appuyer la naissance d'entreprises africaines gérées par des Africains et qui répondent aux défis sociétaux de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'emploi, de la fragilité, puisque nous travaillons beaucoup dans les pays les plus compliqués, le Niger, le Mali, la Centrafrique, Madagascar, etc. Nous gérons aujourd'hui plus de 70 investissements sur ce continent. Mais je ne vais pas vous parler de ce soir d'investissement. Je ne vais pas vous parler de développement particulièrement. Je vais vous parler du continent africain et de la manière dont il se transforme à travers un sujet qui, je pense, réunit à la fois ceux qui viennent de l'univers de la santé, ceux qui viennent de l'univers de l'économie, ceux qui viennent de l'univers des problèmes sociétaux et qui sont les problématiques démographiques. Et je vais essayer de parcourir avec vous comment, à mon sens, les dynamiques démographiques qui animent ce continent africain sont en train de le transformer d'une manière saisissante que nous avons du mal à véritablement absorber. Et nous verrons que, inéluctablement, la puissance de cette dynamique africaine, démographique africaine et sa nature va avoir des conséquences très considérables sur notre propre société française. C'est peut-être, et je le dis avec peut-être un peu d'emphase, vous verrez à la fin si je vous ai convaincu ou pas, c'est un des deux ou trois principaux phénomènes sociaux qui vont marquer le destin de la France dans les 50 prochaines années. Voilà ce que je vais essayer de vous dire ce soir. Voilà où nous en étions le 11 septembre 1950, à peu près à notre heure. Un continent vide, désert. Ce continent, au passage, sur ce continent, on place à peu près toute l'Union européenne à 27. On y place toute l'Amérique du Nord, on y place toute la Chine, on y place toute l'Inde et encore quelques Akouskis. Il y avait à peine 200 millions d'habitants sur ce continent à cette époque. Et un paysage standard de l'Afrique côtière ressemblait à ça. Ce soir, 11 septembre 2017, le continent ressemble à ça. C'est un continent qui a à peu près 1,1 milliard d'habitants, dont l'urbanisation atteint à peu près 45%, et le paysage typique rural s'est transformé en ça. Les villes ont beaucoup cru, mais les campagnes se sont densément peuplées. Le 11 septembre 2050, nous en serons à peu près là. Nous serons à peu près à 2 milliards d'habitants. Il y aura à peu près 1,4 milliard d'urbains, c'est-à-dire que ce sera la population urbaine la plus vaste de la planète, devant celle de la Chine et devant celle de l'Inde. Je reviendrai là-dessus. Mais il y aura autant de ruraux qu'aujourd'hui, parce que la croissance démographique des villes et la migration ne suffiront pas à vider les campagnes. Donc ce sera un continent qui sera à la fois extrêmement dense. Au passage, la densité moyenne de ce continent va passer d'à peu près 30 habitants au kilomètre carré sur les surfaces utiles, quand on enlève les déserts et les zones inondées, à peu près 75 millions d'habitants, c'est-à-dire que nous aurons des densités supérieures. Nous aurons un continent qui sera plus dense que celui de la France, à peu près plus que la France. Et le 11 septembre 2100, à 19h, nous serons à peu près là. Je vais revenir sur le cas de ce pays individuellement. Nous allons pouvoir faire des focus. Et sur ce 11 septembre 2100, alors je vous ai pris l'hypothèse moyenne des Nations Unies, hein, puisque nous avons une hypothèse basse, une hypothèse haute, une hypothèse moyenne. L'hypothèse moyenne des Nations Unies place en fin de siècle le continent à environ 3,5 milliards d'habitants.
Celle-ci a une hypothèse, cette hypothèse moyenne des Nations Unies repose elle-même sur une hypothèse de transition démographique dans laquelle, en fin de siècle, à 2100, donc, nous avons 2 enfants par femme en Afrique. Nous sommes aujourd'hui à 2 enfants, à peu près 5 enfants par femme. Nous verrons que ce n'est qu'une moyenne. Et donc, cette hypothèse moyenne des Nations Unies, qui nous mène à plus de 3 milliards, enfin, presque 3 milliards et demi d'habitants en fin de siècle, est elle-même une hypothèse relativement lente sur le rythme de la transition démographique sur le continent. Alors ça, c'est l'hypothèse haute. Elle est à plus de 4 milliards. C'est une hypothèse qui est environ à 3 enfants par femme. Ce n'est pas une hypothèse délirante, 3 enfants par femme sur le continent en 2100. Ce qui veut dire qu'il est à peu près acquis qu'en fin de siècle, à peu près entre 3 ou 4 personnes sur 10 dans le monde seront noires. Voilà. C'est à peu près simple, puisque pendant ce temps-là, l'ensemble de la population mondiale va achever sa transition démographique qui est extrêmement entamée. Concrètement, la Chine aura cessé de croître démographiquement depuis un bon bout de temps. La Chine, comme vous le savez, est déjà dans une phase de transition très forte et donc va stagner assez rapidement. L'Inde va atteindre son asymptote aux environs de 2050 donc, et décroîtra ensuite de population. L'Europe va rester à peu près stable, les États-Unis vont un peu augmenter, etc. Donc, le seul endroit du monde qui est sur l'ensemble du siècle en croissance démographique forte, c'est le continent. Et alors, on arrête les pendules en 2100, mais il se passe des choses après 2100. Parce que même dans l'hypothèse moyenne des Nations Unies à 3,5 milliards, la population continue à croître au-delà de 2100. Donc, l'histoire ne s'arrêtera pas. Et donc, ceci correspond à ce continent pauvre, rural et vide dont nous venons, qui marque encore les esprits. C'est un peu encore la représentation que l'on se fait du continent africain. Ça, c'est la rue où je suis né, en 1957, vous savez tout. Et déjà, nous avons passé dans un continent en majorité urbain. Nous sommes presque à 50% d'urbain. Et ceci est... une petite photo du plateau à Abidjan. La rue où je suis né est écrasée par les buildings. Là. Et en 2050, ce continent sera aux environs de 70% urbain. C'est une des zones d'extension de Cotonou, pourtant pas une ville de première importance. Alors, pour vous donner un exemple, Cotonou, charmante bourgade de 30 000 habitants en 1960, aujourd'hui 1 500 000 habitants. C'est une ville qui croît à près de 10% par an, c'est-à-dire qu'il y a 150 000 nouveaux installés, de nouveaux habitants à Cotonou chaque année. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples de ce phénomène. La croissance urbaine est dans l'ordre de 8% par an en moyenne sur le continent. Et elle combine une croissance migratoire, d'installation d'exode rural ou de migration sud-nord, et une natalité très forte en zone urbaine également, bien que ce soit le principal endroit de la décroissance, de la transition démographique. Alors, je vais essayer. Pourtant, cette population chute. On ne peut pas dire que nous soyons dans une situation où il n'y a pas de transition sur le continent africain. Alors, vous voyez ici la baisse du rythme de croissance de la population. Pour les mathématiciens, c'est la dérivée seconde de la courbe de natalité. Et donc, vous voyez en gros que on peut dire qu'à peu près aux environs de 2000, le continent a commencé en moyenne, avec des écarts très considérables dont on va parler, à entamer une transition démographique. La natalité a commencé, le nombre d'enfants par femme a commencé à baisser. Et vous voyez là ces fameux scénarios des Nations Unies. Alors là, je crois que j'ai un petit mot. Le scénario moyen qui nous amène aux 3,4 milliards ou 3,5 milliards en fin de siècle, le scénario bas et le scénario haut des Nations Unies. Ça peut sembler un écart assez faible, mais comme vous l'imaginez, la loi des intérêts composés de l'actualisation fait que les pourcentages sur des pourcentages sur des pourcentages, etc., finissent par avoir des impacts énormes. Sur cette croissance démographique, on peut dire qu'en gros, nous avons une quasi-certitude sur là où le continent va être en valeur absolue en 2050. Ça se joue à
100-200 millions d'habitants à l'échelle du continent. En revanche, il y a bien sûr plus d'écart sur la fin de siècle, hein, où il y a bien évidemment plus d'incertitudes sur la façon dont la transition démographique va se poursuivre. Alors, jusqu'à quel point tout ceci va faire, il est intéressant maintenant de rentrer sur un certain nombre de zooms, sur un certain nombre de cas particuliers. Celui-ci, c'est le cas particulier du Nigeria. Alors, le Nigeria, en hypothèse haute, c'est environ 1,1 milliard d'habitants en fin de siècle. Je répète, c'est 1,1 milliard d'habitants en fin de siècle. L'hypothèse basse, qui n'est pas crédible, hein, moi je le dis tout de suite, je n'y crois pas une seconde, est en gros aux environs de 550 millions d'habitants. Il est vraisemblable qu'en fin de siècle, le Nigeria sera quelque part aux alentours de 700-800 millions d'habitants, très vraisemblable. Et il va passer largement le cap des 500 millions d'habitants en 2050. Nous parlons d'un pays. Donc ça sera l'Afrique du Sud. C'est intéressant de regarder le cas quasiment inverse sur le continent africain. C'est le seul pays du continent qui va connaître une réduction de sa population en nombre. On le voit ici. On voit que que la population du continent connaît son asymptote aux environs des années 2020-2030. Et ensuite, si on suit cette hypothèse-là, qui est l'hypothèse aujourd'hui la plus probable, l'hypothèse basse, la population va décroître, mais même dans l'hypothèse moyenne, elle va stagner. C'est le seul cas. Ce n'est pas lié véritablement au développement, puisque, hélas, l'Afrique du Sud est un pays dont la performance économique est très faible. C'est un pays qui, depuis 10 ans, ne fait pas plus que de 1 à 2% de taux de croissance. C'est essentiellement lié à des dynamiques socio-culturelles, mais c'est aussi l'incidence du sida, qui a profondément ravagé la capacité de fertilité du continent. De ce point de vue, c'est vraiment un pays martyr, hein, un pays dont la croissance a été démographique a été complètement cisaillée par les prises de position de ces gouvernements. Y aura-t-il des parcs en Tanzanie ? J'aime bien parler de la Tanzanie parce que c'est un pays dont on ne parle jamais, ici, sauf pour ses éléphants et ses lions. Mais vous voyez que la Tanzanie est un pays qui, dans son hypothèse moyenne, va, en fin de siècle, être dans les 300-350 millions d'habitants. La Tanzanie, 300-350 millions d'habitants. Et dans un avenir qui va être donc relativement proche, va être aux environs de 100, d'ici 2050, va dépasser le cap des 100 millions d'habitants. Ça va être un des pays les plus peuplés d'Afrique orientale. C'est une grande puissance économique qui est en train de se préparer parce qu'en croissance, c'est vaste. Le Kenya est un pays plus visible. C'est un pays qui boxe un peu dans la même catégorie de la Tanzanie. Il fait partie de ces demi-géants d'Afrique orientale qui sont en train de se constituer. Vous voyez, un pays qui va être quelque part entre 150 et 200 millions d'habitants en fin de siècle et qui, là aussi, va passer le cap des 100 millions en 2050. C'est un pays qui est passionnant à tout point de vue et dont aussi la vitalité économique est très importante. Mais alors, on va parler aussi beaucoup français. Là, on s'est baladé dans l'Afrique francophone. L'Afrique francophone va beaucoup nous intéresser. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui, en fin de siècle, va être quelque part entre 130 et 150 millions d'habitants. C'est aussi sidérant. L'Afrique, la Côte d'Ivoire dans laquelle je suis né, elle avait à peine 1 million d'habitants. Donc, c'est difficile d'imaginer des transitions aussi violentes. Et comme vous le voyez, 2050, ce même cap, on va être quelque part dans les 50 millions d'habitants. Donc, ce sont des pays qui vont être nettement plus grands que la France, si on veut résumer ça, et nettement plus dense. La Côte d'Ivoire, c'est à peu près la moitié de la France, en superficie. Donc c'est un pays qui va être 3-4 fois plus densément peuplé. Nous allons voir le géant de la RDC exploser. Un pays théoriquement francophone, mais qui va nous intéresser beaucoup plus, puisque c'est le seul des pays francophones qui a vocation à dépasser le cap des 500 millions d'habitants. Et d'ici, dans son avenir proche, donc 2050, il va passer à peu près le cap des 250 millions. Kinshasa, c'est une métropole, parce qu'on ne va pas parler vraiment d'une ville, mais d'une métropole qui est calibrée à quelque chose comme 30 millions d'habitants vers 2050. On parle vraiment d'une méga-cité. On va connaître beaucoup de Nigériens parmi nos copains, ça va être très à la mode. Alors pourquoi ? Et c'est un des cas les plus intéressants et les plus problématiques. Comme vous voyez, le Niger
est parti aux environs des années 50 de quelque chose d'environ 500 000 habitants. 500 000 habitants au Niger en 1900, à la fin des années 50. Nous allons passer le cap des 50 millions avant 2050. 50 millions au Niger. Et nous serons quelque part entre 200 et 250 millions d'habitants en fin de siècle. Alors, c'est un cas des plus intéressants parce que ça fait partie d'un des rares cas du continent, avec la RDC, où le désir d'enfant par femme est supérieur à la natalité effective aujourd'hui. Il y a environ 7, la natalité moyenne au Niger est proche de 8 enfants par femme. Le désir d'enfant, tel qu'il apparaît dans les études démographiques, il est plutôt à 9, il est plutôt à 10. Ce qui veut dire que non seulement la transition démographique n'est pas entamée au Niger, mais la volonté des populations est de ne pas y rentrer, et au contraire, de s'éloigner de cette trajectoire. C'est aussi un des cas particulièrement intéressants, si vous m'excusez cette expression, dans la mesure où, en fait, il n'y a pas plus de 15% du territoire nigérien qui est utile et qui est exploitable. La bande sud au-dessous du fleuve Niger. Le reste, nous sommes dans le Sahara. Et c'est aussi assez compliqué d'imaginer que nous allons avoir 100-150 millions de Nigériens logés sur cette étroite petite bande au sud du Niger. Alors là, c'est une bonne introduction à la problématique de la migration. Nous connaîtrons beaucoup de Nigériens. Pourquoi ? Ben parce qu'ils seront partis du Niger. Ils seront en grande partie au sud. Nous sommes dans des groupes ethniques qui sont partagés avec le nord du Nigeria. Donc une bonne partie va aller, s'ils sont acceptés, au Nigeria. D'autres descendront sur la Côte d'Ivoire, sur le Bénin, sur le Togo. Ils iront jusqu'en Afrique du Sud. N'oublions pas que l'Afrique du Sud, avec sa population, on va dire, stagnante, sera un piège démographique. Donc les gens descendront en Afrique du Sud, du reste du continent. Et puis il y en a quelques-uns qui vont aller vers le nord, fatalement. Et si je traçais les courbes démographiques du Burkina, du Mali, j'aurais des choses à peu près similaires à montrer. Nous reviendrons peut-être là-dessus un peu plus tard. C'est un signe que nous allons tout simplement vivre, c'est un constat que nous allons vivre avec un flux démographique originaire du Sahel obligatoirement sur un siècle. Il n'y a quasiment aucune échappatoire à cette réalité. Alors, ceci dit, j'ai peut-être un peu anticipé, ils vont beaucoup être en Afrique de l'Ouest, tous ces migrants. En fait, le plus gros terrain d'attraction migratoire du continent africain, c'est l'Afrique elle-même. C'est là que les gens vont bouger et sortir, je dirais, quitter le poumon migratoire que représente l'Afrique sahélienne pour aller vers les pays où la transition démographique s'est davantage implantée, sur cette Afrique de l'Ouest. Alors, c'est témoigné par le fait aussi que, comme on le voit, l'Afrique est déjà l'accueil, la terre d'accueil de l'essentiel de ces réfugiés. Alors, ils vont le faire d'autant plus, ils vont migrer d'autant plus que, et c'est ce que ce petit diagramme indique, d'ores et déjà, l'argent de la migration est devenu la principale source de financement externe des économies. Ce que vous dit ce graphique, qui est peut-être un petit peu compliqué à lire pour vous, c'est qu'aujourd'hui, les flux de retour de l'épargne des migrants représentent à peu près 70 milliards sur le continent d'euros par an, principalement originaires d'Europe. Et ces 70 milliards, ça représente nettement plus que l'aide publique au développement, ces 50 milliards d'euros, c'est nettement plus que les flux d'investissement direct étranger dont je parlerai tout à l'heure, qui représentent à peu près 45-50 milliards eux-mêmes d'euros par an. Donc aujourd'hui, la première source de financement externe des économies africaines, c'est les migrants. Ça représente des pourcentages extrêmement significatifs du PIB. Et cette manne, je dirais, cette ressource financière est tellement importante et elle est devenue tellement vitale que, bien entendu, on ne peut compter sur aucune coopération des gouvernements et des pays qui sont concernés pour la faire cesser. Et dans la mesure où nous ne sommes pas prêts à doubler ou tripler notre aide publique au développement pour se substituer à cette épargne, on va être dans une situation où il va y avoir continuer de façon longue à avoir une incitation pour aller chercher de l'épargne extérieure et la rapatrier sur le pays. Alors néanmoins, il y a quelque chose de très important à dire sur ce continent africain, c'est que malgré tous ces chiffres de croissance démographique que j'ai évoqués,
malgré la lenteur de la transition démographique et surtout son caractère extrêmement varié. Hein, vous avez vu que les pays sont quand même sur des trajectoires assez différentes, même s'ils ont tous augmenté en valeur absolue de manière extraordinairement importante, les rythmes auxquels ils vont croître ne sont pas les mêmes, et surtout en fin de siècle, ils vont être sur une asymptote ou ils ne seront pas sur une asymptote. Donc malgré ça, cette transition démographique est déjà en train d'opérer une conséquence extraordinairement importante sur l'économie et sur la société africaine, et qui est la modification du ratio actif sur inactif. Depuis en gros les années 2000, nous sommes rentrés dans une période où le ratio actif sur inactif, ça c'est la trajectoire moyenne des Nations Unies, augmente. Alors c'est un ratio extraordinairement important pour tous les économistes, parce que c'est en fait le ratio sous-jacent, fondamental, des trajectoires économiques, macroéconomiques, des pays en forte expansion démographique. Alors, la démographie et l'économie, la croissance économique entretiennent une relation contradictoire et variable avec le temps. Quand vous êtes dans une période de forte croissance démographique, ce qui a été le cas du continent africain jusqu'aux environs 2000, où en gros le ratio d'enfants par femme a tendance à augmenter, voire ou est stable, mais est élevé, la population croît beaucoup, il y a très peu de personnes âgées, très peu de personnes en âge de travailler et beaucoup d'enfants. Donc du coup, les peu de personnes en âge de travailler ont d'énormes charges de société liées surtout à l'accueil des enfants. Puis dans une deuxième phase, le ratio d'enfants par femme décroît. On a toujours relativement peu de personnes âgées, beaucoup plus d'actifs et moins d'enfants. Le nombre d'actifs pour s'occuper de la population s'accroît, et ça, c'est ce qu'on appelle la période du dividende démographique, dans le langage des économistes, et c'est, depuis que la Terre existe, une formidable période de croissance économique. Par exemple, dans la période récente que nous avons connue, ça a été le grand moment de la croissance asiatique. Ça a été aussi, en Europe, les grands moments de nos croissances, ici, dans nos pays. Et puis, on arrive ensuite à une troisième phase, où la natalité a beaucoup baissé, la population vieillit, il y a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins d'actifs et peu d'enfants. À nouveau, le rapport actif sur inactif se dégrade, les personnes en âge de travailler ont plus de charges sur les épaules, et ça, c'est structurellement, dans le monde entier, depuis l'histoire, depuis qu'il y a des sociétés humaines, une période défavorable à la croissance économique. Peu de productivité, peu d'innovation par rapport, par exemple, à la phase précédente. C'est la période dans laquelle la quasi-totalité des sociétés de l'OCDE, hein, des grands pays industrialisés, sont rentrés, y compris le nôtre. Donc ce qui est intéressant à dire dans le cadre de l'Afrique, c'est que la transition démographique a commencé tardivement, elle est lente, mais elle va s'étaler sur plus d'un siècle. Ce qui veut dire que les aspects favorables de cette croissance démographique, le fameux dividende démographique, il va être plus faible que ce qu'il a été, par exemple, sur la Chine, qui a connu un effondrement de sa natalité, mais il va être beaucoup plus durable. Il va s'étaler sur une très longue période, et donc le continent il est rentré sur à peu près 70-80 ans de période favorable à la croissance économique, du fait de ces structures. Et ça se voit, puisque vous avez ici, par exemple, les taux de croissance comparés des différentes régions du monde, et vous voyez que depuis le tournant des années 2000, je ne vous ai pas fait les statistiques avant, alors que l'Afrique vient d'une situation où elle était quasiment à zéro dans la décennie 80-90, est devenue le deuxième meilleur performeur de la planète en termes de croissance économique derrière l'Asie orientale. Ceci est une moyenne. Le continent a enregistré à peu près une croissance économique de presque 6% en moyenne sur toute la période. Il connaît actuellement un ralentissement, je vais peut-être y revenir rapidement, dû à l'effondrement des cours des matières premières qui met à bas les économies pétrolières du continent, mais le reste, les économies non pétrolières, continuent à avoir une croissance très vive. Alors, cette croissance est même spectaculaire. Vous avez ici quelques-unes des performances moyennes sur la période 2010-2015, hein, avec des croissances comme à 9% en moyenne sur 15 ans. Hein, on parle de croissance je n'ai pas suffisamment fait attention, chère madame, de croissance moyenne pendant 15 ans. Hein. Donc, des croissances comme, il faut remarquer l'Éthiopie, 9%,
Mais le Tchad, alors qui retombait dans l'enfer depuis dans les 3-4 dernières années avec l'effondrement du cours du pétrole, mais on a des économies non pétrolières comme le Mozambique, comme le Rwanda à 8%, l'Ouganda, 7% de croissance économique, et des pays enclavés sahéliens, le Burkina Faso, 6% de croissance économique, malgré toutes les plaies dont elle est affublée. Accablé la République démocratique du Congo à plus de 6%. La Côte d'Ivoire a été un épouvantable performeur économique du fait de sa crise politique jusque récemment. C'est un pays qui performe presque à 10% de croissance économique depuis maintenant 5 ans. Donc nous recensons sur le continent africain, en partie lié à l'amélioration de la situation de la dette, en partie lié à l'amélioration des politiques économiques, en partie lié à ce fameux dividende démographique, quelques-uns des taux de croissance de moyen terme et de long terme les plus spectaculaires de la planète aujourd'hui. Cette croissance bénéficie à la population parce que du fait de cette transition démographique, comme on le voit ici, en fait, la croissance économique est assez largement supérieure à la croissance de la population. Alors après, il y a des effets de richesse, il y a des effets d'accaparement par certains groupes sociaux, mais le PIB par habitant a considérablement cru. Et une des conséquences de tout ça, alors vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à le lire, mais ce n'est pas grave, vous aurez cette diapo si vous voulez revenir à ces chiffres, plus calmement vous le pourrez, mais une des conséquences de tout ça, c'est l'émergence d'une classe moyenne. Cette classe moyenne qui était totalement inexistante sur le continent africain jusqu'au tournant des années 2000 et qu'on voit progressivement émerger, année après année, qui transforme progressivement la société. Alors, ce que ces tableaux disent, c'est qu'en gros, l'Afrique est en train de constituer la plus grosse classe moyenne de la planète. Actuellement, c'est sa dynamique. Au tournant des années 2050, nous serons à plus de 500 millions de personnes cataloguées en tant que participants à ces classes moyennes. Alors après, ces statistiques sont un peu discutables, ou ces prévisions sont un peu discutables. Il y a une petite classe moyenne, il y a une grosse, il y a une classe moyenne riche, etc. Il y a toutes sortes il y a toutes sortes de vérités. De même en France, à deux personnes qui gagnent chacune 2000 euros chacune sont, en tant que foyer, largement dans une classe moyenne. Pourtant, ce sont des petits revenus. Et ils sont dans la même catégorie que des gens qui vont dans le foyer, va gagner 100 000 euros par an ou 150 000 euros par an. On va classer ces gens dans le même groupe. On a le même écart à cette période. Mais concrètement, néanmoins, ce que vous pouvez voir ici, c'est que le premier seuil de pauvreté va demeurer aux environs de 20% de la population. Donc en termes de pourcentage, ça fait faire ça peut paraître élevé, mais concrètement, ça veut dire que sur un continent qui sera à peu près à 2 milliards d'habitants en 2050, nous n'aurons pas plus, entre guillemets, que 400 millions de personnes en dessous de 1,25 $, pas plus que 600 à 700 millions de personnes en dessous des 2 $. Nous aurons, ce qui veut dire que nous aurons 1,5 milliard de personnes qui seront cataloguées dans les populations pauvres, très au-delà des seuils de survie, et donc de l'ordre de 500-600 millions d'habitants en classe moyenne. Alors, ce que ceci vous dit également, c'est qu'en fait, il y a plusieurs économies africaines, néanmoins, et il y a deux ou trois façons de lire la diversité de ces économies africaines qui sont en train de se constituer. La première, c'est de faire la différence, c'est ce que vous donne ce diagramme, entre les pays producteurs de pétrole, concrètement, et ceux qui ne le sont pas, parce que ça a été aujourd'hui le principal facteur différenciant des rythmes de croissance. Ce que ceci vous dit, en gros, c'est que les pays producteurs de pétrole ont fait l'explosion de la croissance africaine dans les années 2000-2010. Depuis 2010, ils sont progressivement rentrés dans une période d'effondrement. L'Angola, le Nigeria, le Gabon, le Congo, pour parler de pays dont l'essentiel de l'économie est pétrolière. En revanche, les pays non producteurs de pétrole sont, parmi lesquels figurent beaucoup de pays enclavés, du reste, qui sont des pays dont l'économie est davantage fondée sur le marché intérieur, sur la satisfaction des besoins de leur propre population
à partir d'un développement entrepreneurial local, sont des pays dont la croissance économique n'a fait que croître et s'est plutôt stabilisée dans les dernières années. Ils ont même été consolidés par ce qui se passe depuis 5 ans, puisqu'ils sont, eux, importateurs nets de pétrole. L'effondrement des cours du pétrole a favorisé leur croissance, au contrario des autres. Alors, il y a une autre façon de regarder le sort du continent africain, c'est de faire la différence entre les pays enclavés et les pays côtiers. C'était une distinction de croissance qui était très importante jusque dans les années 2000. Progressivement, on l'a vu s'effondrer, s'effacer beaucoup dans les années 2000. Et que si vous remémorez un petit peu la carte que je vous ai passée avec les taux de moyens de croissance cumulés 2000-2015, il y a beaucoup de pays enclavés qui ont été parmi les meilleurs performeurs économiques du continent alors qu'ils n'ont pas de ressources naturelles. C'est une distinction beaucoup moins pertinente qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Et puis, en fait, il y a une troisième distinction qui, elle, reste très importante en revanche, et qui est la différence entre les pays en crise politique et militaire et les autres. En fait, si vous regardez le différentiel de croissance historique entre l'Afrique et le reste du monde, c'est le nombre de pays en crise militaire ou politique qui fait la différence essentielle en taux de croissance. En gros, le continent est d'abord victime de son instabilité politique et sécuritaire. Et dès que les pays sont sur des trajectoires, sont dans des situations stabilisées, leurs performances ont tendance à être bonnes. Alors la bonne nouvelle, c'est que le nombre de pays en crise ouverte s'est plutôt réduit durant les 15 dernières années. Il n'y a plus qu'un petit nombre de graves situations, je dirais, résilientes, sur la Corne de l'Afrique, dans les Grands Lacs, etc. Mais on sait que ça peut changer. La situation au Sahel est inquiétante. On ne peut pas dire que nous soyons dans une éruption, mais nous sommes dans une situation qui est toujours sur le fil du rasoir. Alors, je vais être très rapide parce que c'est des propos qui sont plus économistes, on pourra y revenir. Ce qui est intéressant à dire, parce qu'on regarde le monde extérieur, c'est qu'en fait, le monde extérieur, durant les 15 dernières années, contrairement à beaucoup d'idées reçues, a plutôt fait confiance à l'Afrique. Les capitaux privés ont beaucoup afflué sur le continent et ils n'ont été découragés que très partiellement par l'effondrement de la situation des pays pétroliers. C'est un signe très important et très positif. Ce que ce diagramme vous dit, donc, c'est que ce qui a bougé durant ces dernières années, c'est que les flux de portefeuille, c'est-à-dire les gens qui font des placements spéculatifs en bourse. Cela était venu pendant les années 2010. Ils sont repartis à partir du moment où les pays pétroliers se sont effondrés. Mais tous les autres flux extérieurs, les capitaux, alors ça, c'est on voit bien les différences, ça, c'est les capitaux des migrants. Vous voyez que c'est la plus grosse source de financement. Ça, c'est les investissements directs étrangers, c'est-à-dire quand Danone, quand Carrefour, quand L'Oréal, quand une grosse boîte investit pour faire une usine, etc. Et vous voyez que ces flux ont eu tendance à augmenter et qui n'ont pas été découragés par ces dernières années. Et vous voyez que l'aide publique au développement, au fond, reste assez stable et assez basse. Et elle n'est perturbée ni par les périodes de croissance, ni par les périodes de crise. Hein, comme si on était dans des grands phénomènes bureaucratiques là, ou politiques qui avaient très peu de variété. Et bien entendu, cette aide publique au développement, elle est surtout concentrée sur les pays sahéliens, sur les pays en crise. Hein, c'est là qu'on y retrouve le plus gros des apports. Je passe sur là-dessus. Ce que vous donne ce diagramme, simplement, pour le fun, c'est justement cet intérêt croissant des investisseurs des investisseurs étrangers pour l'Afrique. Et cette courbe bleue, c'est la part des capitaux, des investissements mondiaux que l'Afrique a été en mesure de capter. Et vous voyez cette croissance extraordinairement significative depuis 2005. De plus en plus, l'Afrique est devenue un continent à la mode. Et alors, on pouvait dire, là ça correspond à une explosion, je dirais, des investissements dans les mines, le pétrole. Voilà. Mais là, ce n'est plus le cas. On voit que l'Afrique, dans un contexte où les investisseurs sont devenus beaucoup plus prudents en ce qui concerne les pays émergents en général, ils ont même accru en termes relatifs leur intérêt pour le continent. Et derrière ça, il y a des investissements industriels ou agricoles, puisqu'on n'investit plus dans les mines, on n'investit plus dans le pétrole, dans les conjonctures de coûts aujourd'hui. Alors tout ceci nous mène cet appétit pour l'investissement. Cette dynamique économique que je vais évoquer, ces taux de croissance, ils nous mènent sur quelques chiffres intéressants. Alors, je vais m'attarder quelques secondes sur ce tableau, parce que
il mérite le faire. Le monde, notre monde, il est autour, il vaut, je dirais, en termes de PIB, autour de 65 000 milliards de dollars en 2010. Donc nous sommes en 2000, quelque part entre 2000, je sais pas le dernier chiffre, entre 2015 et 2020. Donc disons que nous sommes aux environs de 80 000 milliards de dollars aujourd'hui de PIB. Si vous regardez le continent africain, l'Afrique a 57 pays, aux alentours de 2 700 milliards de dollars en 2010. 2 700 milliards de dollars, c'est moins que le PIB de la France. Le PIB de la France, il est environ à 2 900 milliards, 3 000 milliards, les spécialistes. 2002. Donc, 2008. Les rythmes de croissance sur 2000, nous sommes en 2017, nous sommes quasiment en 2020, enfin nous savons à peu près, nous avons une assez grande certitude sur là où sera le PIB africain, il sera aux alentours de 4500, 4600 milliards de dollars, et avec des taux de croissance moyens qui vont être de 4%, qui sont là prévus à 4%, donc inférieurs à la moyenne effective de la croissance du continent jusqu'à présent, qui est plutôt à 5, hein. On arrive aux environs de 7600 milliards en 2030 et, par la magie des intérêts composés, presque à 20 000 milliards en 2050. L'Europe, l'UE à 27, alors il va falloir changer nos modes de calcul, hein, le Brexit, est aux environs de 14 000 milliards de dollars. En 2050, avec des taux de croissance qui vont être quelque part entre 1 et 2% pendant toute cette période, elle va se projeter aux environs 22 000 milliards, rapprocher les deux chiffres. Il y a bien sûr plein d'erreurs statistiques, il y a plein, tout ça est fatalement au doigt mouillé. Mais ce qui veut dire, c'est que nous sommes dans une trajectoire de convergence d'ici à 2050 en valeur absolue. Alors, en revenu par habitant, bien sûr très différent, puisque en 2050, il y aura, rappelez-vous, à peu près 2 milliards d'habitants d'Afrique, mais en Afrique, en Europe, où nous n'aurons pas changé de population, à peu près, nous aurons à peu près la même qu'aujourd'hui. Donc, en fait, ce n'est pas du tout le même rapport. Le revenu moyen sera, en gros, 4 à 5 fois inférieur sur le continent africain qu'il ne l'est sur le continent européen. Mais les valeurs absolues disent aussi quelque chose, parce que les valeurs absolues, ce sont des masses macroéconomiques qui génèrent des flux économiques. Or, par exemple, si vous prenez ces chiffres, il faut voir que dans ce PIB, à peu près, dans ce PIB africain, à peu près 25% de ce PIB sera constitué d'importations. Donc la demande africaine d'importation vis-à-vis du reste du monde va être explosive. Il faut, petite note de bas de page, le continent africain est aujourd'hui se développe aujourd'hui sur un modèle de croissance radicalement différent de l'Asie. L'Asie s'est développée dans les années 1960, aujourd'hui, dans un contexte où elle exportait des biens manufacturés vers des marchés extérieurs. Et donc, ça a été une croissance extraordinairement positive en termes de balance des paiements et de balance commerciale. Et la contrepartie de ça, comme chacun le sait, c'est que les banques centrales asiatiques sont devenues le principal créancier des pays industrialisés, puisque pendant ce temps-là, nous entretenions des déficits de balance des paiements très importants que nous avons comblés grâce à cette épargne. Et nous avons, grâce à l'argent des pays asiatiques, pu continuer à importer de ces pays asiatiques. C'est toute la chaîne qui agite la crise financière américaine et européenne dans les années 2007. Le continent africain est sur une trajectoire très différente. À part les pays pétroliers, c'est un pays qui produit pour lui-même, pour l'essentiel, et qui nourrit sa croissance démographique. Ça a une conséquence très importante, c'est que c'est un continent qui se développe avec un important déficit commercial, et donc qui importe massivement du reste du monde, en particulier de l'Europe. En gros, ce continent vis-à-vis de nous exporte quelques matières premières et minérales, de plus en plus des produits agricoles qui remontent la chaîne de la valeur, et il importe des biens de consommation et des biens manufacturés. Donc le continent africain est appelé, s'il ne change pas de modèle, et pour l'instant on ne voit pas changer de modèle, il y a quelques nuances sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est un continent qui va devenir le plus gros client de la planète, le plus gros importateur de la planète. Donc c'est un enjeu commercial absolument phénoménal pour nous. Les importations africaines croissent actuellement au rythme de 14% par an, pour donner une image de cette dynamique commerciale.
Alors, le financement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le cumul de l'argent des migrants, de l'argent des investissements directs étrangers, des placements de portefeuille. Donc aujourd'hui, donc, par définition, cette façon, la croissance économique et les balances commerciales sont par définition financées. Hein. Donc aujourd'hui, ce continent, et ce continent, je ne l'ai pas évoqué aussi, se réendette très rapidement. Ça fait partie d'une des variables économiques intéressantes. Au tournant des années 2000, après les annulations de dette, l'endettement extérieur de l'Afrique était aux alentours de 25% du PIB. C'était redevenu le continent moins endetté de la planète. Aujourd'hui, en l'espace de même pas 20 ans, on est passé à environ 50% du PIB. Donc on reste bas au regard des ratios mondiaux d'endettement, mais le rythme est extrêmement élevé et il traduit cette dynamique d'importation pour les investissements, pour la consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, le principal moteur de la croissance, c'est la consommation privée. Voilà. Donc on pourrait penser que tout ceci est exaltant, c'est un lac qui est loin d'être tranquille. Je vous ai résumé au moins 6 raisons de s'interroger. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Et 6 sujets de débat sur lesquels nous pourrions passer aisément plusieurs semaines pour chacun d'entre eux. Donc on ne va pas vraiment traiter ces questions. On aura l'occasion de dire quelques mots dans la discussion. Le premier des points, c'est que l'économie africaine, dans sa période récente, s'est montrée incroyablement volatile. J'appelle ça un peu les montagnes Peul. C'est le foot à jalons, ça monte, ça descend. L'économie est très versatile parce qu'elle est très liée à des chocs de gouvernance, des chocs politiques, des chocs de prix des matières premières, des chocs de change également. Les devises africaines ont fait le yo-yo à des niveaux extrêmement impressionnants dans ces dernières années. Donc, cette situation est extraordinairement volatile. Ce qui est un problème, c'est le deuxième point pour les années qui vont venir, c'est que l'économie mondiale est plutôt en une phase où on risque de voir une remontée des taux d'intérêt et un accroissement de la stabilité des changes qui est lié à cette remontée des taux d'intérêt. Ces deux phénomènes vont de pair macroéconomiquement. Et ça, c'est des circonstances qui sont extrêmement défavorables pour le continent africain, qui est très dépendant de ces rythmes d'endettement vis-à-vis des marchés extérieurs, compte tenu des caractéristiques de l'économie que j'évoquais. Et donc, on pourrait se demander si on ne va pas rentrer fatalement dans une zone de beaucoup plus grande instabilité de la croissance et connaître de nouveaux chocs macroéconomiques qui pourraient être d'autant plus importants que la croissance, que les taux d'endettement public ont augmenté. Il y a également des questions très importantes sur ce qui va faire la dynamique de cette croissance économique. Si aujourd'hui vous interrogez les économistes qui se penchent sur le continent africain, ils vont vous dire c'est la croissance privée, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui fait la consommation privée, qui fait la croissance du continent, à part les quelques cas des grands marchés pétroliers. On sait qu'en général, ces croissances confrontées sur les marchés intérieurs, par exemple, on l'a vu sur le continent sud-américain, ce sont des croissances qui ont tendance à être plus longues, plus lentes et plus dépendantes des financements extérieurs, plus versatiles donc que les croissances fondées sur les marchés d'exportation. Le grand changement qui est en train de se produire, c'est la Chine. La Chine est intervenue en Afrique de manière massive, d'abord pour y aller chercher ses matières premières agricoles, son pétrole. En contrepartie, elle a construit des stades, des routes, etc., tout ce que ceux qui fréquentent le continent africain ont vu. Depuis maintenant, elle a également vendu massivement des bicyclettes, des bassines en plastique, des cafetières. Depuis maintenant 10 ans, elle vend des centraux téléphoniques, des usines et des turbines clés en main, etc. Donc elle grimpe l'échelle de technologie sur les ventes d'export, mais depuis maintenant 7-8 ans, elle devient investisseur dans des entreprises. Soit elle délocalise sa propre chaîne de production, soit elle va investir dans des entreprises africaines pour sous-traiter.
Et cette transformation, et alors la croissance éthiopienne, les fameux 9% qu'on a vu tout à l'heure, sont pour les deux tiers dus à ce phénomène de délocalisation des entreprises chinoises, en l'occurrence dans ce pays, particulièrement sur le secteur des cuirs et peaux et des textiles. La grande question, c'est est-ce que la poursuite de l'ajustement chinois avec la transformation de cette économie d'une économie d'exportation vers une économie de marché intérieur, l'élévation des salaires en Chine va conduire la Chine à poursuivre massivement ce phénomène, cette transformation. Et alors qu'aujourd'hui, ce phénomène touche 2, 3, 4 pays sur le continent et représente une fraction finalement assez limitée de l'économie, est-ce que c'est un phénomène qui est appelé à s'étendre à tout le continent? Et de la même manière que l'Asie du Sud-Est est devenue, et même l'Asie du Sud est devenue une grande zone de sous-traitance chinoise, est-ce que, dans les 20 ans qui vont venir, le continent africain va devenir un vaste atelier chinois? Il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour ça. Le faible coût de la main-d'œuvre, la natalité, le fait que les Chinois ont investi massivement dans les infrastructures, par exemple portuaires, sur toute la côte orientale. Vous savez qu'officiellement, et le fait que ça soit un objectif affiché de politique publique chinoise, vous savez que la grande initiative de la route de la soie qui a été lancée par les Chinois il y a maintenant une petite dizaine d'années, inclut toute la façade orientale de l'Afrique, qui est incorporée dans la constitution de cette ère de coprospérité avec la Chine. Donc ça, c'est une des grandes questions. Il y a des débats importants entre les économistes là-dessus. Ça, c'est sans doute la mère de toutes les batailles, sans jeu de mots. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan de la sociologie et de la psychologie féminine, des conditions de vie féminines, des libertés, de l'éducation, etc. Quand on voit les chiffres que j'ai partagés avec vous en début de présentation, il y a un immense enjeu pour l'Afrique à accélérer sa transition démographique, et l'essentiel des réponses à tout ce qu'on peut se poser comme question se retrouve ici. Et on sait à quel point ce sont des sujets très, très difficiles. Alors il y a un point que je n'ai pas encore mentionné, qui est la question de l'environnement. Un des corollaires de cette croissance démographique que j'évoque, c'est l'occupation spatiale, c'est la densification des territoires. La densification des territoires, ça a une conséquence extrêmement précise, c'est que soit on est capable d'intensifier les agricultures et de les conduire durablement, soit on dégrade les sols et on les perd. Aujourd'hui, l'Afrique est sur une trajectoire de dégradation et de perte de ses sols. Globalement, en moyenne. Alors, ce n'est pas vrai partout. Comme toujours, sur un continent si vaste, il y a un très grand nombre de situations diversifiées. Mais globalement, la productivité agricole, elle est à peu près constante depuis les années 50. Et on progresse. En revanche, la production agricole a beaucoup augmenté en Afrique. Mais la production agricole a augmenté par extension des surfaces cultivées, pas par intensification. On est en train d'arriver au seuil d'extension des surfaces, tout simplement parce qu'il y a du monde partout. Et il faut donc passer à de l'intensification, et pas à n'importe quelle intensification. Lié à ça, ce qui nous pose problème à l'échelle globale, c'est que pour pouvoir procéder à cette extension des surfaces, l'Afrique coupe ses forêts. Coupant ses forêts, elle, pour le bois de chauffe, pour l'agriculture, coupant ses forêts, elle modifie ses microclimats locaux, mais elle modifie le climat global, elle aussi. Et l'Afrique, qui demeure encore un grand captateur de carbone dans le sol, va progressivement, au cours des 50 dernières années, va devenir un émetteur de carbone net. C'est le cas en fin de siècle, si les trajectoires démographiques sont associées à une mauvaise occupation de l'espace, et si, au lieu d'avoir de la densification urbaine, au lieu d'avoir de la concentration, nous avons de l'étalement, nous avons des pertes de sol. Donc nous avons un très gros enjeu global ici, qui est peu vu. Alors, dernier point, ou dernière question qui fait débat quand on essaie d'imaginer les différents scénarios, les hypothèses de croissance du continent, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le plan de l'insécurité et de la stabilité politique. Les gouvernements sont fragiles, les institutions sont récentes, la corruption est massive et généralisée. Là aussi, il y a des nuances entre pays, situations,
Et nous nous retrouvons dans une situation où les pays africains vont devoir tous gérer entre un doublement et un triplement de leur population d'ici à la fin de siècle. Ces doublements et ces triplements de la population, ce n'est pas simplement des gens en plus. C'est des migrations. C'est des gens qui viennent des pays voisins. C'est des gens qui essaient de s'implanter sur le même territoire. C'est donc des extraordinaires sources de conflits et de tensions. Si la France avait connu le même rythme d'expansion démographique que la Côte d'Ivoire, en partant de 50 millions d'habitants en 1960, vous voyez, qui était notre population, nous aurions aujourd'hui de l'ordre de 450 millions d'habitants en France et nous aurions 220 millions d'immigrés. Ce sont les ratios ivoiriens. On peut se demander si nous serions en démocratie. On peut se demander quel serait l'état de nos relations sociales. Donc, comment nos institutions auraient survécu? Alors, imaginons ce défi jeté en face de pays dont les administrations sont récentes, où les compétences humaines sont rares simplement parce que les niveaux d'éducation sont faibles, avec des très graves problèmes de dialogue, parce que les différences qui opposent en Côte d'Ivoire les différents groupes ethniques les uns aux autres sont aussi importantes que celles qui opposent, et les différences linguistiques sont aussi importantes que celles qui opposent les Français, les Allemands, les Suédois et les Polonais. Nous avons le même, nous sommes dans les mêmes conjonctures. Est-ce que nous vivrions avec 450 millions d'habitants et 70 millions de Polonais sur notre territoire? Quelle serait la langue nationale? Quel débat se poserait autour de notre identité à ce moment-là? Donc, tout ceci va être très compliqué à gérer par les gouvernements. J'insiste là-dessus parce qu'il y a souvent des regards un petit peu méprisants, complaisants, sur les systèmes politiques africains. On dit « Oh, c'est des petits rois, il y a les petits rois clés, oh, ils sont tous corrompus, oh, ils ne savent pas se gérer ». Que ferions-nous si nous étions dans ces mêmes situations? Objectivement, la situation dans laquelle ces pays sont jetés est exceptionnelle. Elle est même unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucun phénomène historique qui nous rapproche en termes d'intensité de ce qui est en train de se passer sur le continent africain. Donc il y a un immense terrain de débat et d'action sur cette question de la consolidation des régimes, du dialogue social, de la construction, pas simplement des États, mais des sociétés. Et alors, bien sûr, les Africains vont devoir faire leur propre cheminement eux-mêmes. Hein. C'est, d'une certaine manière, c'est eux qui vont nous apprendre quelque chose, puisque nous n'avons jamais eu à gérer ces situations-là. Mais en tout cas, on peut s'interroger sur ce que nous pouvons faire. Alors, je vais terminer parce que j'ai été très long. Je crois que c'est un univers dans lequel les politiques publiques, comme les actions individuelles, sont extraordinairement demandées. Le continent africain va peser énormément sur nous. Et en gros, il va y avoir quatre grands sujets qui vont s'imposer, en particulier pour nous, dans le désordre, des défis macroéconomiques extraordinairement importants. Alors, je suis plutôt un technicien de la finance et de l'économie, donc je m'intéresse particulièrement à ce segment-là des discussions. La conduite macroéconomique des économies africaines dans les 30 ans qui viennent, c'est un énorme enjeu. Énorme enjeu, encore une fois, parce que jusqu'à présent, on pouvait dire que ce sont des macroéconomies petites vis-à-vis de nous, et donc à faible impact, et qu'on peut considérer comme étant une variable d'ajustement marginale dans nos équations macroéconomiques. Progressivement, dans les 30 à 40 ans qui vont venir, nous allons parler d'économies qui, en valeur absolue, ont la même taille que la nôtre. Et ça, ça n'a plus rien à voir. Les impacts sont massifs sur nous, par le biais du commerce, par le biais de la finance. Deuxièmement, nous avons à voir, en termes de partenaires, en termes de voisins, à réviser complètement une politique africaine qui va devoir parler d'un certain côté partenariat économique, croissance, business, commerce. C'est d'ailleurs la demande des Africains. Et la réalité de la taille des économies. Mais il va falloir qu'on parle militaire, qu'on continue à parler militaire, intervention, sécurité, terrorisme. Il va falloir qu'on continue à parler pauvreté, développement. 600 millions en 2050 de personnes qui continueront à vivre au-dessous du seuil de pauvreté de 1,25 $, qui seront en gros dans la pauvreté la plus abjecte. Donc on a pour nous, et ceci dans un
contexte où finalement les liens se sont très fortement distendus entre le continent et nous. Les assistants techniques sont partis, les mouvements de société à société se sont finalement atténués, la masse, la croissance massive du continent africain l'a finalement éloigné de notre proximité. Nous allons avoir à gérer un système et avoir des politiques publiques qui vont devoir gérer un système, une problématique de population de migration dont nous commençons à peine à avoir l'idée. Nous faisons nos premiers pas depuis 4-5 ans avec l'Union européenne, le sommet de Malte, l'entrée de l'Europe dans la problématique sahélienne. Nous faisons nos premiers pas à peine dans un sujet avec lequel nous allons vivre pendant 50 ans. Et sur lequel nous avons encore très 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 peu de lueurs sur la façon dont nous allons pouvoir le prendre de ce côté. Alors il va falloir pourtant le faire, et je termine par ces mots. Ce continent africain, j'espère vous avoir convaincu autour de ce cheminement que c'est un des premiers enjeux auxquels la France et l'Europe vont avoir à faire face dans ce 21e siècle. C'est un des premiers facteurs d'environnement qui va jouer sur notre destin. Et si les choses se passent mal, les conséquences déflagratoires pour nos sociétés, par le biais migratoire, par le biais sécuritaire, vont être gigantesques. Si les choses se passent bien, c'est une chance absolument extraordinaire. C'est la naissance d'un grand continent économique et social à nos portes, avec lequel les relations sont extrêmement intenses, et c'est une source de croissance économique et d'opportunités énormes pour nos sociétés. C'est un des facteurs transformants de nos trajectoires industrielles. Si les choses se passent bien. Donc nous avons un très grand enjeu en creux comme en plein. Et bien entendu, une grande partie de notre géopolitique va se dérouler sur ce terrain-là, parce qu'une des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que ces pays sont en train de s'armer. Donc, les PIB croissants, l'armement va lui-même l'être. Hein. Actuellement, les pays sahéliens consacrent entre 8 et 10 % de leur PIB à la défense. Hein, c'est ce que nous leur demandons de faire. Nous leur disons, nous avons des problèmes avec les terroristes, il faut que vous alliez les chasser dans le désert. Après, il y a une facture à payer pour ça. Alors, nous donnons quelques petits trucs pour aider, mais nous leur avons imposé un effort d'armement dans ces dernières années extrêmement important. Donc, en gros, le Sahel, c'est 8-10% de son PIB. Vous vous rappelez qu'en France, on discute des deux. Et en gros, le continent africain, la défense militaire compte environ pour 5-6% en moyenne sur le continent africain à l'heure où nous parlons du PIB. Pour un PIB dont on a dit qu'il est à peu près celui de la France. Oui, mais 2050, si on regarde les mêmes ratios, c'est un PIB qui est équivalent à celui de l'Europe. Ça veut dire des niveaux d'armement qui seront ceux de la Chine. D'accord, divisé en une cinquantaine de pays, mais on parle d'une autre donne géopolitique. À 2050, pour l'instant, ça paraît de la science-fiction, mais entre 2050 et 2100, le fait qu'il y ait des puissances nucléaires armées sur le continent africain, c'est pas une folie quand on sait, quand on regarde la trajectoire coréenne, par exemple. Donc nous sommes en train, en termes de géopolitique, de changer de monde par la vertu, en tout cas, à nouveau combiné de la croissance démographique et économique. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre mur de la Méditerranée, c'est un des principaux enjeux écologiques de la planète, c'est un enjeu écologique voisin. Les problématiques du réchauffement climatique, les problématiques du climat, les problématiques de la biodiversité vont rapidement s'imposer à nous à travers ce terrain africain. Donc nous sommes là donc, dans une gamme de sujets qui va beaucoup nous occuper en tant que société. Moi, je suis, et je termine par ça, je suis frappé par le fait que, par exemple, Emmanuel Macron, qui avait été très discret sur les questions africaines pendant sa campagne électorale, et d'ailleurs, les questions africaines n'avaient pas vraiment beaucoup donné lieu à des débats pendant toute la campagne, passe son temps sur ces sujets depuis qu'il est élu. Ce qui est normal, et ce qui va arriver à tous ses successeurs. Et de sujets ignorés de campagne, le sujet africain devient un des principaux sujets de préoccupation du président à cause des questions militaires, à cause des questions commerciales, à cause des questions de sécurité, de terrorisme et questions de migration qui nous attrapent à la gorge. Voilà.